Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas trop, je vais aller aux urgences. Attends, c'est peut-être pas indispensable. Appelle d'abord le 15, un médecin pourra te conseiller. Les urgences sont réservées aux cas les plus graves. Avant d'aller aux urgences, si mon médecin traitant n'est pas disponible, j'appelle le 15. Ceci est un message du gouvernement. Salut Twitch, salut YouTube, on va partir sur un donc sur un jeu, comment le définir comment définirais-je ce jeu? Sword of Mine, voilà, c'est un jeu dans le survie pendant la guerre. Est-ce qu'on rend ce normal? Voilà. Ok. Appliqué. Ah, mais du coup, voilà. Que je puisse avoir la main sur le stream en même temps. Sans avoir un. Donc, oui. Donc, bienvenue. Donc, on va faire un mode survie. Dans une ville assiégée. Et on va être avec des. Dans une maison. Avec des gens, voilà, assez aléatoires. Assez aléatoires. Ouais, là j'ai survécu 22 jours, survécu 30 jours, 17, 15 jours. Pourtant, j'ai fini une fois le jeu. Et là, il y a un truc qui me chiffonne un petit peu. Normalement, je peux pas choisir mes équipes, mais visiblement, je peux. Alors, je vais prendre. Non, je ne peux pas, voilà, je savais bien. C'est random en fait le contenu de la maison. On va être 3-4 personnes dans une maison. Réunis, on sait pas qui est qui. Et voilà, je vais laisser un peu découvrir l'ambiance. Que
protagoniste a son histoire. Et elles sont pas forcément très reluisantes. Et donc dans le jeu, il arrive de temps en temps qu'on ait des enfants. Et c'est assez horrible. Que voilà, les événements se terminent. Et donc là ça va, il fait brouillon, ouais, il fait 17 degrés, 6 heures tranquille. On a quoi on va faire? On n'a rien. Il manque une chaise, il manque un lit, etc. Donc tout ça on va s'en occuper. Donc le but étant de fouiller les débris. Pour trouver des choses qui vont nous permettre notamment de crafter et de. Est-ce qu'on a un atelier? On a tout ça, tout ça. Tout ça. Gens pourra crocheter des serrures. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, que je fasse pas de bêtises. Là où c'est le début, gérer les trois, c'est un peu laborieux. Je vais faire tout ça. Une chaise, je suis content pour une chaise les gars. Yes mec, mais je vais essayer d'aller là-haut s'il te plaît. Alors, on n'a pas grand chose les mecs hein, en vrai. Frigo, on va avoir à manger, à boire. C'est pas évident. Donner à pouvoir faire des pelles, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, l'eau se fait ce qu'il faut rien. Tac tac tac, que je réfléchisse, Jean-Pierre. Ah non, ça c'était la chaise. Ce fut une erreur. Va fouiner là, toi. Bien joué, Bruno. Ah, mon gars, ça. Bruno, c'est mon gars sûr. Ah, on a un peu d'eau. Et ah, papa. Tout prendre, on va pouvoir crafter des lits les gars. Nous allons pouvoir crafter des lits. Ok. Quelques matériaux de
pourquoi n'avons pas nous pas réussi à jusque là. Darby ça. Sauf que c'est pas fait correctement cette histoire. Ah si. Bon alors. Finir les autres choses. Hein. Bon bah on va pas manquer de lit au moins. Il nous faut au minimum de lit de toute façon. Après nous irons fouiller la ville. Ah, on a une trousse à pharmacie, des médicaments, un peu de nourriture, de l'eau. Des livres. Des livres, on verra ce qu'on en fait. Des livres, on verra bien. On pourra peut-être les brûler pour avoir du feu, peut-être les croquer, peut-être faire des trucs avec. Eh ben, on va pas manquer de rossignol, les gars. Le rossignol, c'est passe-partout. Hein. C'est, Ah, des vivres. Ah, c'est bon, ça. Bon bail, ça, les vivres. On a quelques médicaments, des vivres. Qui se repose un peu normal, il a bossé comme un gros taré. Installer les lits dans ce champ de mine là. Ça va être beaucoup plus compliqué ça comme décision. Parce que là pour l'instant il fait 17 degrés, ça va quoi. On a vu pire. On n'a pas encore besoin de la chaudière, mais ça va venir ça. Ça va venir les gars. où est-ce que je peux le poser? Généralement. Ah, pas évident là cette maison. Je vais juste poser un lit les gars. Oh, putain, c'est une petite galère. C'est en cas d'attaque. Je préférerais que. Bon, on n'a pas fait une si mauvaise récolte que ça, tiens. J'ai moyen de passer. C'est ça qui m'intéresse, parce que là, je vois que c'est condamné, mais... Ah oui, c'est un gars débrouillard, ça. C'est barricadé de l'autre côté. C'est barricadé de l'autre côté. Mon Lucien. T'aurais moyen de passer par l'extérieur. Éventuellement. Merde, c'est une connerie moi. Bon, merci. La nuit, ah. Zut. toi tu vas dormir dans un lit. Ah toi tu es mon farmer, toi t'as 15 places. Toi tu vas dormir et toi tu vas partir collecter. Nous allons te donner un comme ça. Et ça ira très bien. Alors la collecte, je vous explique. Au départ on a la carte, elle est toute petite. Puis après on va tomber sur des maisons. Et il faudra prendre des décisions par rapport à tout ça quoi. En fait on vole pas, hein. On vole pas. Le comment ça s'appelle l'ambiance, enfin ça vous met un peu dans l'ambiance là les enfants. Ouais on est chez les petits vieux.
aller chez les petits vieux, j'aime pas aller chez les petits vieux. Ça fait toujours des histoires les petits vieux. J'ai épargné mes dogs, t'inquiète mon pote. Les petits vieux, ça fait toujours des histoires. Parce qu'après, Pedro va devenir dépressif, quoi. Ah, y'a des clopes, mec. Pourquoi ils m'ont fait commencer chez les petits vieux? C'est horrible, ça. Oh, on a de quoi faire des clopes. Je prends juste la bouffe et je me casse, monsieur. Promis, je reviendrai plus tard. Je vais voir si ta femme est en bonne santé. J'ai pas pris les médicaments. Mais je m'en fous de cette merde, moi. On a pas de gosse dans la baraque. Oh, de quoi se nourrir. Je vais prendre tes bouquins. Ça c'est bien. Et puis voilà, on a du café, on a un peu tout hein, quand même. Ah j'ai dit les vieux ça fait des histoires hein, les gars. On reviendra plus tard, hein, promis. Promis, je reviendrai plus tard, hein. Il reste des trucs à apprendre et tout, puis peut-être que j'aurai une arme cette fois-ci pour achever ta femme. Je sais pas, je suis... C'est la guerre les gars, c'est la guerre. C'est pour ça que j'ai dit que ce jeu est... Je trouve que pour un premier jour... On va pouvoir grailler, tu vas pouvoir aller dormir mon copain. Et où le lit? J'ai posé où le lit? T'es sûr qu'il y a Wade Quen toi tu... Lui j'aime pas trop parce qu'il est un peu feignant. Qu'est-ce que je veux dire? Ce genre de gars il est un peu... Ah oui c'est la chaise, chaque fois que je peux avoir, il n'y a rien, Duncan c'est la chaise. Il est un peu, un petit peu feignasse. Mais... Franchement, on démarre pas trop mal. Il dit ça bio. Ouais, chacun pense un petit peu à sa gueule quand même. Ah, légèrement malade dans votre guérison. Ah ouais, hein, les gars. Oh. Et donc il nous reste une boîte de conserve, tac tac tac, c'est cool. Oups, pardon. Est-ce qu'il y a moyen de bricoler un peu l'établi là, qui upgrade un peu? Ce serait pas trop mal. Faut que je me souvienne, j'essaie de me rappeler un petit peu tout ce qu'il y a à faire dans ce jeu. Améliorant l'établi, je crois qu'on peut avoir d'autres trucs après. Nous devrions
plus les volets. Bon bah écoute, j'ai noté autrement parce qu'après il tombe en dépression. Il a jamais vu une fois, il s'est suicidé. Hein. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Après Marco, sa spécialité c'est de se barrer en pleine nuit. Il se barre, tu sais pas pourquoi. Il abandonne. Mais il se barre. Là, c'est jour 2, pour l'instant c'est soft. Hein. C'est soft, on va se tirer dans. Dans les horreurs de la guerre. Après, c'est deux fois. Beaucoup moins soft. Il y a forcément un moyen d'accéder à ces pièces. Voilà. Pourquoi tout à l'heure tu m'as fait des histoires genre vous avez chicané, vous vouliez pas y aller les gars. Hein? Bon, normalement on a vidé toute la maison, tout ce qu'on avait à prendre chez nous, on l'a pris. Mais qu'est-ce que je vais dire? Y a rien dans le jardin. Au moins le jardin est pas fait pour les enfants. Hein. Des médocs, très bien. Elle bosse un peu feignasse là. Qu'est-ce que tu peux nous fabriquer un fauteuil bon, pour l'instant? Ah oui, des barricades, voilà. Barricader la maison, c'est pas mal comme idée. En vrai. En vrai de vrai. C'est une des premières choses à faire pour la température, pour les gens qui vont venir nous attaquer, parce qu'il y en aura. Et c'est pas drôle. À la fin, on a tous faim mon pote. On verra ça quand on aura très faim. En vrai. On peut plus barricader, on peut plus faire de lit, il va nous falloir du bois. Ça c'est un peu d'azote. La radio ça paraît con mais c'est pas mal comme ce soir tu dormiras dans le lit, c'est l'autre feignasse qui... Tu vas te reposer, t'as un vrai... T'as un vrai de vrai toi. Bon, on a plus grand chose à faire parce qu'on a plus de matériaux, mais on va récupérer un peu. Cette merde, ça m'a marre.
Bon, bah voilà. Prochaine étape, on refait un lit. Ce soir, c'est Bruno qui monte la garde. Il dort. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as à te plaindre encore? T'es pas heureux? Ah oui, il a terminé la journée, j'ai oublié, je suis en train de m'attendre comme un imbécile. Alors, heureusement notre refuge, quand on a un peu de répit, s'étend bien long, ce chemin. Certains tombes dans le mur ont été barricadés. Nous ne sommes pas encore assez en sécurité. J'y fais ce que je peux les gars, wow. Est-ce qu'on n'aurait pas fait un tour dans l'école? Quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. Et potentiellement pas mal d'emmerde quand même. Sacré problématique. Est-ce qu'il nous reste un rossignol les gars? Non, on n'a plus de rossignol. Ça c'est. Voilà. Tant pis, on va se débrouiller. Personne, je reste toujours très méfiant, c'est jamais sur qui il peut tomber. Ah, effectivement, il y a quelqu'un qui se déplace, donc on va pas traîner non plus. Je suis très méfiant, moi. Il y a deux personnes facilement dans la pièce, dans la maison. Ouais, potentiellement le sourire. On va éviter de perdre du temps, on perd pas de temps à creuser, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En vrai, on perd pas de temps à creuser. Non, je vois personne, c'est peut-être juste des petits animaux qui se promènent. Oh bordel, c'est barricade tout partout, c'est pas de pelle. Ça, c'est un truc qui manque, ça putain de pelle, j'ai bien marqué là. Pour l'instant, on n'a rien pris. On n'a rien trouvé. Donc, problématique ça. On va être obligé de revenir demain. Ah, j'aurais bien voulu me fouiller un peu. Mais bon, on sait qu'il n'y a personne dedans. Si c'est des souris, ça va. Donc, les points rouges, en fait, c'est des. Allez, j'ai mis.
bien ça. Ça c'est une bonne nouvelle mon copain. Une heure du matin, on va devoir se barrer. On va bientôt devoir partir. Super plein de planches s'il te plaît, ouais. Ça va être cool, on va pouvoir faire un deuxième lit. Non, on va pas recrafter, réparer un peu la maison, il n'y aura pas grand chose à faire. Oh ouais, t'es cool toi comme mec. Oh ouais, t'avais cool. Donc je pense pas qu'on aura à revenir. Je sais pas, pas bien sûr. Je pense qu'on a pas encore vu. Oula, va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix les copains. Je récupérerai pas encore un peu de planche. Ouais, puis on se barre quoi. Voilà, on rentre à la maison. C'est l'athlète. C'est lui le sportif. Ouais, il nous restera ça. Éventuellement, ouais. Je sais pas. Marco est de retour. Brave Marco. Un bon gars. Sauf quand il va péter les plombs. Ah, on a été pillé. Ah putain. On nous a pris de la bouffe, des clopes. Ouais, ouais ça rend quand même. Ça c'est relou. Marco va manger. Toi, tu vas fabriquer un plumard, s'il te plaît. Ah, on a été attaqué cette nuit. Putain, quel bordel. Fais-nous un deuxième lit. On va le mettre là, tranquille. Que Marco puisse se reposer. Toi, soigne-toi parce que tu... Légèrement malade. T'as mal dormi ce matin. Est-ce qu'il y a moyen que tu me fabriques un troisième lit, toi? Ah! On va faire du troc! Trop posé toi, c'est lui qui monte la garde.
Alors, embêtant tout ça, qu'est-ce que nous aurions besoin éventuellement? Alors attends, nos affaires. Réfléchis, réfléchis. Je vois. Éventuellement. Donner du café. Donc il va falloir un peu plus. Ah ouais, bah attends, laisse-moi le temps de réfléchir. Peut-être un comme ça. Ah, attends. Pas assez, envoyez votre offre. Quelle générosité, bah attends. je vais reprendre le café. Ok, marché conclu. Allez. Ok. L'autre il a faim. Ah putain. Il dort bien, enfin j'ai dit d'aller dormir, le mec. Il... Allez, graille ça, tiens, ça va faire arrêter de cogner comme ça. Donc. Qu'est-ce qu'il manque pour faire un lit? Ah, il me manque. D'accord, je vois. Ça c'est trop. Oh, putain, il y a tellement de choses qui sont intéressantes à faire. Putain, un fauteuil. Toujours bien un fauteuil. En vrai. Pour le moral, c'est bon pour le moral. De ces gens-là. Un fauteuil. Tu vas le placer là. Faire un peu ce que ça raconte Bon bah y'a un space là pour l'instant. Airsoft. On s'est fait attaquer quand même la nuit. Ça m'emmerde un peu. En vrai. C'est bon, fin de la journée. Alors. Je vais monter la garde, tu dormiras demain, en jour. Un autre collecteur, ce sera, voilà. Préparé. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? École bombardée, on en a fait que 10%, on est d'accord. On va se la finir. On verra si on trouve des trucs, je sais pas. C'est la loterie. Parce qu'on l'a pas fouillé à fond. Je fais ça après. Alors. Donc normalement on sait que les personnes. Ah, je sais, une pelle, ouais. Moi aussi, je me dis la même chose que toi, mon copain. On a eu beaucoup trop de signaux au début, mais pas de pelle. On va pas tout avoir, en fait.
visiter comme pièce. Ah oui, il faut passer, ouais, voilà, j'avais raison, faut passer là. Il faut qu'on arrive à déblayer. Faut récupérer ce qu'on va récupérer là, qu'on descende à l'échelle. Accélère, accélère mon copain, accélère. D'un jeu de survie récemment. Quelqu'un me parle d'un jeu de survie, il dit ouais mais ça existe en multi, je ne veux pas utiliser de survie. Ça fait un jeu de survie, c'est solo, c'est bien. Après c'est ni plus ni moins une espèce de Slaters beaucoup plus glauque hein. On va pas se mentir les gars. On a peut-être un peu trop de planches en fait. On va en laisser. On a assez de lits, je pense. Ouais. On va pas s'encombrer avec les planches. C'est une mauvaise idée. Ah bon, attends, remonte le tien. 1h30, ouais, ça, on a encore un petit peu de temps. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, ça on l'avait fait. Ça, je prends. Ah, là, putain, il y a des barreaux. Bon. C'est une école, hein, y a des barreaux, on voit bien. Ah, il y a un clochard dans la... J'ai pas envie de me fighter en fait. En vrai de vrai, j'ai pas envie de me fighter. Ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'on manque pas assez pour... C'est dommage, on va récupérer ce qu'on n'a pas récupéré et puis on se casse. Pas grave. J'ai pas envie de revenir blessé d'expédition, enfin bref, après ça va être une galère autrement, c'est vrai. On va partir, on a... Je crois qu'il fallait quelques matériaux mais pas rien de fou. Rien de fou. J'aurais pas eu clochard, je dis pas. J'aurais pas eu clochard mais là, je suis trop méfiant. En fait, ouais, revenir blessé, etc., démoralisé dès les premiers jours, c'est un peu relou pour la suite. Si on peut éviter le conflit. Bruno commence à se sentir mal. Ouais, bah Bruno, je savais qu'il allait nous casser les pieds. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Soigner, puis après t'iras dormir. En vrai. Quand ils ont mangé hier,
Ouais, donc ils peuvent encore tenir. Pas de soucis là-dessus. Et au final, il est bien ce fauteuil. Ça raconte quoi? Nanana. Toujours rien. Bah, fin de journée, les gars. Pas grand chose à faire pour l'instant. À part se reposer. Ah, très fin. Ah, putain, faut que je fasse manger demain, lui. Je vais essayer de dormir dans un lit, je pense que ce soir on va être tranquille. Alors, on va tenter le coup. On va éviter le conflit pour l'instant dans le jeu. J'ai pas envie de... On va éviter les mauvaises rencontres. Tout à l'heure j'aurais pu rentrer dans la pièce, vas-y viens on se tape, et puis ça aurait fait tout ce bordel. Parce qu'après ils reviennent, ils sont pas bien. Il y a moins de contrariété, de toute façon ils sont... Les décors sont... plutôt bien faits. Ah. On a des pièces pour faire des armes. Ouais, donc s'il faut, si on peut se cacher, ça veut dire qu'il y a du monde dans le bâtiment. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut passer. En vrai. Très grand. J'en ai une fois, il est parti collecter. Il a fait une mauvaise rencontre, il s'est pris coup de fusil, il est mort. Faut même collecter. C'est moche. Voilà, voilà, on a quelqu'un là. On a quelqu'un. On peut peut-être discuter. On peut peut-être discuter. Ok, tu veux pas d'ennui, moi non plus. Ça tombe bien. Je vais faire ta vie, tu peux faire la mienne. Verrouillé. C'est verrouillé. Je ne peux pas faire ça pour l'instant. C'est verrouillé. Ah, c'est une mère de famille. Elle parle de ses gosses. Ah, tout est verrouillé là-dedans. Oh. Je vais trouver un passage, Lucien. Minuit 20, est-ce qu'on creuse? Ouais, on va aller creuser un peu. De toute façon, il y a que nous et la femme, donc ça va. C'est bien méchant. Ah bah dis, je veux pas d'ennui. Ça me va très bien, moi non plus.
Ah, on a un rossignol. Un signal, ça veut dire que... On peut peut-être aller là. 3h du matin. 3h du matin, 3h du matin, 5h du matin. Je sais pas. Qu'est-ce qui monte, Pedro? J'ai l'impression qu'il s'en fout. Et après, on rentrera. Ouvre-nous ça, s'il te plaît. Je pourrais bien virer ce qui serait pas utile pour l'instant. Ça pour troquer, c'est bien. Le café, on n'a pas trop d'utilité pour l'instant. Mais après, toujours possibilité de revenir en fait, plus tard dans le jeu. Faire ça, ça, ça. Ça, on n'a pas fouillé, j'aurais bien jeté un oeil. Et là-haut, il y a peut-être des trucs intéressants aussi. Ah bah ouais, bah ouais. Ah bah ouais. On va oublier un peu le troc là, les gars. On va penser d'abord à la bouffe. On pourra revenir la nuit prochaine, vider, finir de vider. C'est une bonne idée aussi. Devine toi. Devine ce que je vais récupérer. Hop là. Non, non, vraiment des trucs cool. Il faut qu'on revienne. Il faut vraiment qu'on revienne. Ah, l'autre, si je lui fais une bouteille d'alcool, il va. Ok. Et là, il y avait quoi? Et après, on se casse. Ouais, faut vraiment qu'on vienne vider. Ouais, jolie récolte. Jolie récolte. Ouais, t'inquiète, on va revenir collecter ce soir, mon ami. Ce soir, on remet ça. Vous allez tous pouvoir manger. Vous allez tous pouvoir grailler comme des cochons. Était calme. Bon, en plus, il se reposait. À très fin. Tiens, va manger, toi. Tu peux pas nous bricoler un truc, mon Lucien? C'est vraiment sympa. J'adore les détails dans ce jeu. Dans ce jeu. Enfin, ça, l'échelle a été faite avec des... Ça raconte ta bio, copain. Ouais, je sais, pour les vieux... Je sais. Je le sais, mon copain. Je sais que t'es pas bien à cause des vieux. Tu vas manger, toi. En quoi il est triste, lui? Bon cuisinier, fume. Ouais. Un grail. Il est où, mon
pote. T'as barricadé, c'est bon? Très bien. Voyons voir s'il peut pas nous bricoler encore autre chose. En vrai, ça va, hein. J'ai connu des parties pires que ça. Un peu. Ah, toujours très fin. Allez, gras, espèce de. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, le copain? On a l'air d'avoir tellement faim. Bah, non, mais regarde, c'est bon. Bah, voilà, à faim. Triste, on va te poser un peu. Ça te plaît. Confectionner des médicaments, ça c'est bien ça. Ça, ça permet de récupérer. Ah, en fait, ouais, c'est quand même plus rentable. Pour l'instant, c'est ce qui est le plus rentable. L'atelier. On va le placer là, on a rien mis, on mettra à chaud, je vais se dire un peu plus tard. Après, je pense à faire un drive aussi. On va tous manger sans fruit. En vrai, la partie se passe plutôt bien, on va pas se plaindre. Qu'est-ce qui pourrait nous bricoler? Ah, un pied de biche, ce serait pas une mauvaise idée. Parce que ça peut servir d'arme et ça peut servir pour ouvrir la porte. Ce qui en soi est très bien. Pour l'appel, on verra plus tard. On finit de dépouiller le magasin de jouets, je crois que c'est le magasin de jouets. Ah, enfin, ça va, Marco, tranquille. En vrai, ça c'est cool. Il se dit à la radio. Okay. Okay. Ils ont perdu un collègue. Bon, c'est des choses qui arrivent, les gars. C'est la guerre. Bon, accélérez un peu le mouvement, les gars. Qu'on finisse la journée, qu'on aille finir de vider les derniers endroits visités. Et puis après, ouais, on arrêtera là. C'est déjà pas mal. Parce qu'après, au bout d'un moment, il devient un peu trop redondant ce jeu. Non, je sais pas. Alors, ils sont où mes copains? Ah, toujours très fin. Ah ouais, bah je me doute, ouais. Vas-y, mange. Je mangerai n'importe quoi, je sais pas. Écoute, il y a un bon gros cuisinier là. Il y a un bon gros cuisinier au cas où. Il s'appelle Bruno, tranquille. Bruno, je vais mettre un peu au lit, il est démoralisé. Je vais lui faire un coup de déprime. Lui. Et puis ce soir, il y en a un de vous deux qui va tenir monter la garde, les gars, y'a pas le choix. Tu fais quoi, toi? Montre-moi si tu peux pas nous bricoler un truc. Non, y'a plus grand chose à faire, là, en fait. Bon, bah c'est très bien comme ça, comme cette nuit on va aller farmer.
Alors, mon collecteur préféré, il est là. Toi, tu vas dormir. Vas-y, toi, tu vas monter la garde, en fait. On a besoin de rien, en fait, tout est ouvert, donc... Je vais pas gâcher le pied de biche pour une porte à la con. Ce serait dommage. Donc mon pote, on va recommencer par le point le plus haut, puis on va faire en descendant. Je compte sur toi. Let's go. Oh, ici c'est la sortie, il y a une space alors. Normalement on retombe pas sur la dame, je crois pas. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est partie. Est-ce qu'on aura vraiment l'utilité d'une ours même pour des trocs rien quoi. Ah j'avais laissé une tomate. On va les prendre quand même au cas où. Ça peut être utile, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Hein? Wop. Oui. Je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Limite, on n'aura pas trop besoin de faire de troc avec ce qu'on a là. Ah, c'est dommage de devoir faire des choix après. C'est un peu dommage. Est-ce que nous reviendrons pas encore une troisième nuit? C'est la question. Je refais un tour vite fait, puis après on se casse. Bon, ici il n'y avait rien. Allez, on va y avoir la sortie de minuit, ça va, tranquille. Vraiment une séance sympa. Franchement, session de jeu d'une petite heure, agréable, on s'est mis bien, on s'est mis bien. Il faudra qu'on revienne, je vais vraiment la vider cette... Je vais vraiment vider cet endroit. On aura fait une petite heure, hop, tranquille. 6 jours, oh, propre. J'espère que la nuit était calme.
Ah. Aucun drone n'a été blessé, les agresseurs n'ont rien volé. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Ah mais les gars, waouh. Waouh putain. Toi tu vas aller dormir déjà, ça sera réglé. Bon. Ah bon j'étais optimiste. Il n'y avait pas de guerre, les guerres c'était loin. C'était le tiers-monde, du moins ce que je croyais. Ouais bah ouais. Bah ouais mon copain, bah ouais. C'est... Malheureusement, l'actualité. Je fais pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de bricoler autre chose ? A besoin de repos. On va voir qu'il va se reposer. Tranquille. Ah, attends, attends. Ah, enfin, a besoin de repos. Va se reposer. Peut-être on fera une save. Après, on fera une save. Ah, bah voilà. On va pouvoir fabriquer ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Faire quelques outils, après je coupe là, je fais la save et puis voilà. Ça aurait été une bonne session d'hiver, tranquille. On est plutôt bien. Il reste de la bouffe, quelques médocs. Ouais, ça va. Refais-moi un pied de biche. J'en avais un. Bon. La rotignol sera pas du luxe. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, on sera prêt pour la prochaine collecte. On sera prêt pour la prochaine collecte. Et je retournerai bien finir le magasin quand même. Ah. Knock, knock. Ça vient troquer. J'ai rien à te donner mec. On a pratiquement tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin, donc j'ai pas de merdouille à te donner en plus. C'est ça qui est chiant. C'est que si encore j'avais des merdouilles à te refiler. Mais je n'ai pas de merdouille à te refiler. T'as un peu de tout, ouais. Tu m'intéresses quand même. Tu m'intéresses quand même. Parce que je sais pas quand est-ce que tu vas repasser. Ta 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 ta. Ouais, je peux faire la graille. En échange, que tu peux te refiler. Ah. Me dis pas qu'il y a générosité, t'attends, j'ai pas encore fini de faire mes courses. Non putain c'est moi qui suis en train de flipper du ouais. Excuse-moi garçon. Non non. On s'est pas compris. J'étais en train de me dire ah ouais putain il y a plein de trucs. Non non en fait t'as rien. T'as rien. Ce que je te propose en échange. Je me doute qu'il va t'en falloir plus, tiens. Ah putain, ça va être compliqué. Complicado. Marché conclu, ouais, si tu peux récupérer un peu de graille, moi ça me va. Allez, va-t'en vilain. Et comment niveau graille ? Conserve, hein. Ça va.
Est-ce qu'il y a moins de save? Non, son gars il sera perdu. Ah. Ouais, donc termine la journée alors. Est-ce qu'on se referait pas une virée dans le magasin de jouets? Bon, on a déjà été attaqué cette nuit, donc je pense que cette nuit sera calme. On va finir le magasin de jouets. Et je pense qu'après la save se fera, ouais, au retour. Tranquille. Alors, c'était où? C'était où qu'on n'avait pas fini de tout collecter là? Et le mec est passé, j'aurais bien aimé avoir des merdouilles à lui refiler. Ça aurait été bien ça. En vrai. Ah oui, il y avait le fond du jardin. C'est sympa, je crois. Là-haut, on a laissé des trucs, il me semble. Là, la pièce était vide. Ouais. Ah, c'est la dame qu'on a croisée tout à l'heure, ça. Qui a fait ses petites courses pour ses gosses. Bah, après, je vais pas y en vouloir. Ah merde, j'ai pas pris de rossignol. J'aurais peut-être dû prendre le rossignol. J'ai pas envie de revenir une quatrième fois, c'est bon, trois fois c'est déjà suffisant. En vrai, j'ai pas envie de revenir une quatrième. Mais avec les pièces d'armes, etc., on pourra peut-être se faire des armes. Ce qui peut être une bonne chose en soi. Bon bah ouais, c'est pas ouf au final. C'est dommage, le gars il est passé un jour trop tôt pour le troc. Ça c'est vraiment dommage. Tant pis. Je pense qu'on est bon, on peut pouvoir se barrer. Arrache-moi ça, ça me fout mal tout à l'heure. Voilà. On va faire un petit tour en bas là. Je crois qu'on peut pas y aller, c'est plus carré. Non, y a pas une pièce en bas? Non, apparemment, non. C'est moi qui me fais une idée. Bon, bah viens, on se casse, mon ami, on a pris tout ce qu'on avait à prendre. Hein. Déjà bien. Et normalement, ça save la game. Et on va pouvoir se dire à tout à l'heure. Pour une nouvelle aventure, on ira sur un autre truc. On a fait vraiment une bonne session de jeu. Voilà, bon, je vous dis un petit peu plus tard. Merci pour ceux qui sont passés, comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez loupé, leur rediff sera sur YouTube. Voilà, quand Mister Camilo aura fait son boulot. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour ceux qui ont bossé, bon courage. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. Allez.